En attendant Patrick Le Chanu, je vais profiter du petit moment qu'il nous laisse pour faire un peu de publicité pour un festival de littérature qui a lieu dans la région. Donc ça s'appelle Au fil des ailes. C'est un festival qui se reproduit tous les deux ans, organisé par l'association Interbibli, et qui nous donne à nous, les bibliothèques de la région, l'occasion de recevoir des auteurs. Donc vous trouverez le flyer avec tous les noms d'auteurs et les lieux de rencontre à la sortie, à la fin de la conférence. Je précise juste que nous aurons ici deux auteurs, un auteur de bande dessinée. Elle s'appelle Shaïba Louel-Slati et elle sera là samedi 13 novembre à 10h30. Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer un auteur, Catherine Blondeau, qui viendra nous voir le mercredi 24 novembre à 18h ici, donc à la bibliothèque Pompidou. Voilà. Donc là, j'ai le grand plaisir de recevoir Patrick Le Chanu qui arrive d'une seconde à l'autre. En fait, je pense que vous avez fait le bon choix de prendre votre après-midi et de venir l'écouter, puisqu'aujourd'hui, ces conférences, du moins à Chalon, se font rares. Et je sais qu'à l'époque où il les proposait dans le cadre de la DRAC, il avait toujours beaucoup, beaucoup de succès. Je profite de... Voilà, Patrick Le Chanu qui arrive. Donc, je précise que M. Le Chanu est donc conservateur général du patrimoine, travaille à la DRAC et est conseiller pour les musées. À l'issue de cette rencontre, si vous avez apprécié, si vous êtes curieux, sachez que vous pourrez faire l'acquisition, entre autres, de ce livre « Pour l'amour de la peinture » que Monsieur Le Chanu a écrit spécifiquement dans l'espoir de développer chez chacun de nous la passion pour les tableaux, savoir les lire, savoir les interpréter et nous inviter à nous déplacer dans les musées. Voilà, donc je vous souhaite une belle rencontre. Merci beaucoup, Monsieur Le Chanu, d'être venu nous proposer votre passion. Pour expliquer toute cette installation, donc je remercie la caméra, notre collègue qui travaille à la direction de la communication, puisque nous faisons aujourd'hui un premier test qui est à la fois donc de recevoir ici sur place pour une conférence des personnes qui veulent bien se déplacer et en même temps sur Facebook pour les personnes qui sont plus loin ou qui n'ont pas encore la possibilité de venir jusqu'à nous. Voilà, bonne conférence. Donc j'ai le droit de... Merci. Voilà. Eh bien, bonjour, merci beaucoup. Tout d'abord à la ville de Chalon pour cette proposition, mais aussi, à travers la ville de Chalon que tout ça se fait, mais à la médiathèque et tout particulièrement à Hélène qui vient de parler, qui a vraiment été d'une aide très précieuse, ainsi que Michael, qui s'occupe de cette retransmission Facebook. Je trouve ça très intéressant, non pas pour ma gloire personnelle, mais parce que ces conférences qui sont faites en région, par définition, dans des plus petites villes que dans les grandes institutions nationales, alors je ne dis pas que c'est le cas de la mienne, mais méritent une audience, par exemple des étudiants ou alors des gens, comme le disait Hélène à l'instant, qui ne peuvent pas se déplacer, tout ça démultiplie, à l'instar de l'estampe, ce qu'on verra plus tard, démultiplie le travail et le diffuse, ce qui est une bonne chose, me semble-t-il. Merci aussi à la librairie du mot. Nous avons la chance d'avoir une librairie dans cette ville. C'est vraiment très, très précieux et très important. Et donc, vraiment, merci beaucoup d'être là aussi et pour tout ce que vous faites pour la lecture et pour le livre dans cette collectivité. Merci donc à vous aussi. Je vois évidemment, ça fait bien plaisir, plusieurs têtes bien connues, dont certains coreligionnaires du chant, du cours de chant, n'est-ce pas, dont Hélène fait partie.
Je ne chanterai pas aujourd'hui, à moins que vous n'insistiez instamment, mais voilà. Ça n'est pas spécialement prévu. Donc l'idée, c'est en fait de présenter la peinture française, enfin non pas seulement française justement, lapsus révélateur du XVIIe siècle, qui pendant longtemps a été assez méconnue pour des raisons justement que j'essaierai d'expliquer. Et il faut rendre hommage, évidemment, à tout un tas de personnalités. Alors, je ne remonterai pas toute l'histoire, je ne citerai sûrement pas tout le monde, mais enfin, il y a de grandes personnalités qui se sont fait les défenseurs de cette peinture française du XVIIe siècle. Je veux parler du professeur Jacques Thuillier, bien sûr, de Pierre Rosimbert, et aussi d'Alain Méraud, un grand professeur de l'Université française en histoire de l'art. D'ailleurs, j'ai amené un de ses bouquins, là. La peinture française au XVIIe siècle, Alain Méraud, M-E, accent aigu, R-O-T, professeur extrêmement attentionné, extrêmement attentif à l'intérêt de ses étudiants. Et voilà, je suis content de citer son nom. Il est en retraite aujourd'hui. Dieu merci, toujours avec nous. Ce qui n'est pas le cas, hélas, du professeur Thuillier. Donc l'idée, c'est finalement d'avoir un petit panorama, sans vouloir tout balayer, bien sûr, c'est très difficile, pour défendre et illustrer cette peinture faite en France au XVIIe siècle, mais aussi les collections de cette région. Hein, mais aussi à travers les collections de cette région. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans ce petit livre qui essaie de parler de quelques thèmes autour de la peinture, mais en faisant la défense et illustration des collections de cette région au Grand Est et un peu plus particulièrement encore, évidemment, de l'ex-Champagne-Ardenne, hein, avec les musées de laquelle je continue à travailler au quotidien. Alors l'idée, c'est finalement, pour la peinture, d'essayer d'examiner cette lente naissance, maturation de ce qu'on pourrait appeler très imparfaitement le style français en matière de peinture. Il y a des styles, hein, comme dans l'architecture, comme dans la mode, comme dans la musique, qui sont, alors c'est toute la question évidemment, et particulièrement aujourd'hui, je dirais presque doublement et triplement particulièrement aujourd'hui, eu égard au fait que ces thèmes nationaux, voire pire, par les temps qui courent, sont profondément d'actualité, n'est-ce pas, et de manière parfois assez excessive. Donc cette question du territoire, de la production d'un style lié à un pays ou à un territoire, c'est une question dans l'histoire et dans l'histoire des arts, évidemment, qui est intéressante à examiner, notamment à travers celle fondamentale des échanges. Car nous ne sommes ce que nous sommes, pour bonne part, que grâce, contrairement d'ailleurs à ce que certaines et certains tentent de nous expliquer ardemment aujourd'hui, que grâce à ce que nous partageons avec d'autres et avec celles et ceux qui sont évidemment différents de nous et de cultures autres que la nôtre. Alors, pourquoi y a-t-il une lente maturation du style de peinture française ? C'est que, on ne risque pas trop, me semble-t-il, de se tromper en disant que la peinture, et notamment la peinture de chevalet, c'est-à-dire les tableaux sur toile, les tableaux sur bois, les tableaux qu'on a chez soi, qui peuvent se transporter, pendant longtemps n'est pas l'art de la couleur fondamentale en France. Lorsqu'on est, prenons l'exemple, là encore localement, un bourgeois riche, à Châlons au XVIe siècle, voire un noble, etc. Est-ce qu'on va commander, à l'instar de ce que font les gens à Bruges, à Anvers, un triptyque pour installer dans sa chapelle, dans l'église ? Non. On commande, dans la grande majorité des cas, me semble-t-il, et je parle sous le contrôle de M. Fusier qui nous fait l'honneur d'être présent dans la salle, une verrière. Le grand art de la couleur en France, notamment au XVIe siècle, bien avant aussi, ce n'est pas la peinture de chevalet, c'est le vitrail. Le vitrail dans lequel interviennent, bien entendu, les peintres pour donner des cartons, des dessins, etc. Mais c'est un autre art, malgré tout, que celui
la fresque très souvent en Italie, puis de la peinture de chevalet, comme elle se développe beaucoup en Italie, et aussi de la peinture très souvent sur bois dans ces époques très anciennes, du 15e, du 16e siècle, puis sur toile, ou ce qu'on appelle les anciens Pays-Bas, c'est-à-dire en gros un ensemble territorial qui est formé de la Belgique et des Pays-Bas actuels. Donc, on reverra ça un peu plus loin, mais au moment où va s'installer dans l'émulation, parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ça, il y a un peu une concurrence, une compétition dans tout ça, et une compétition aussi commerciale. Les tableaux, on les vend, c'est un commerce, c'est une économie aussi. Eh bien, au moment où va s'installer une espèce de polarité entre le Nord, c'est-à-dire cet ensemble des anciens Pays-Bas avec un style qui lui est propre, on y reviendra aussi, et l'Italie d'autre part, la France ne produit pas beaucoup de tableaux. Et par conséquent, il y a, si je puis dire familièrement, un retard au démarrage qu'il est très difficile ensuite de rattraper puisqu'il s'installe un système, on le reverra, de concurrence, de compétition, d'émulation, qui est d'ailleurs territorialement aussi, géographiquement, la France est un peu coincée, si je puis dire, entre l'Italie d'un côté et les anciens Pays-Bas de l'autre, train, si je puis dire, dans lequel la France mettra beaucoup de temps à monter, puisque, comme en matière industrielle, économique, scientifique, je suppose, il est difficile de monter dans un train déjà en marche. Alors, pour autant, il y a... C'était un vitrail de la cathédrale Saint-Étienne, hein, qui était là, de Châlons, hein, qui était là présenté juste avant. Cependant, il y a peu à peu des commandes qui se manifestent et de grands personnages qui vont s'intéresser à la peinture, qui vont s'intéresser aux arts, tant à l'architecture que, encore une fois, à la peinture, etc. Et l'un des premiers, qui n'est pas, pour commencer, forcément le roi de France, c'est le cardinal d'Amboise, hein, dont le tombeau magnifique est dans la cathédrale de Rouen, cardinal d'Amboise, qui va créer un des grands, si ce n'est tout premier château de la Renaissance française, à Gaillon. Gaillon, alors il reste des vestiges, il y a, sauf erreur de ma part, le portail qui est dans la cour de l'école des Beaux-Arts à Paris, puisque tout ça a été démonté et réinstallé encore une fois, mais il y a quand même des choses qui restent à Gaillon. Une réalisation qui fait beaucoup de bruit eu égard à sa nouveauté et par exemple Isabelle d'Este, hein, la grande mécène italienne, sait que ce château a été réalisé en France, et elle envoie des gens, puisqu'elle a des émissaires, hein, des sortes d'agents, de courtiers, comme on dirait aujourd'hui, ou d'informateurs qu'elle envoie, et qui voient le château en lui disant « oui, oui, c'est très bien ». Et puis alors, dans une lettre, c'est André Chastel qui présentait ça dans ses cours, dans une lettre qu'un de ses émissaires lui envoie, il dit « mais vous savez, les Français... il ne s'intéresse pas beaucoup aux lettres. Et, il dit les lettres, mais je suppose qu'on peut étendre ça à la question des arts. En fait, ce qui les intéresse, ce sont les armes et les maisons. Autrement dit, les armes, les nobles, l'aristocratie est militaire. Le travail de la noblesse, c'est de faire la guerre ou de la préparer. Et d'autre part, les maisons, on peut entendre ça au sens large, c'est-à-dire les châteaux, pas nécessairement meublé, mais aussi les questions, la généalogie, hein, c'est des familles, etc. Donc ce cardinal d'Amboise, c'est un personnage très important. Et alors, réaction locale, si je puis dire, en France, c'est que, là encore, c'est André Chastel qui citait ça dans ses cours, le fameux Guillaume Budet, hein, l'un des premiers lecteurs royaux, puisque François Ier a fondé ce qui s'appelle aujourd'hui le Collège de France, et l'un des premiers lecteurs payés par le roi, hein, qui faisait des conférences, alors je ne vais pas me comparer à Guillaume Budet, évidemment, et qui a donné son nom, comme vous savez, à une célébrissime collection de textes antiques, hein, de traductions aussi.
au détour d'un texte qu'il consacre à une monnaie romaine, l'As, donc un traité en latin, DAC. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, là, d'aller dépenser de l'argent pour faire des châteaux comme ça? Et il parle, manifestement, parce que c'est à peu près contemporain, du cardinal d'Amboise. Donc il y a, en fait, une tradition française, littéraire et juriste, qui est, à certains égards, évidemment, assez austère, c'est-à-dire qu'elle est très mentale. Hein. C'est ce que dit donc l'émissaire d'Isabelle d'Este, et c'est ce que dit ce Guillaume Budet, qui se scandalise, en gros, qu'on fasse des dépenses somptuaires plutôt que, finalement, de financer des publications, les lettres. Hein, en quoi. Donc ça, c'est une peinture de l'artiste, du peintre que le cardinal d'Amboise invite pour décorer Gaillon et pour faire des tableaux, pardon, qui s'appelle Andrea Solario, S-O-L-A-R-I-O, dont vous voyez ici une annonciation, pardon, en faisant attention à ce que, et d'ailleurs, quand on voit le tableau, mais même sur la photo, c'est étonnant à quel point tout ça est bien intégré. Donc, ça, c'est un tableau qui est peint dans la première moitié du XVIe siècle, hein, peut-être même le premier tiers du XVIe siècle. Eh bien, ce paysage qui se trouve ici a été ajouté au XVIIe siècle. Vous voyez, on est déjà dans notre thème parce qu'y avait-il un endroit assez usé ou qui ne plaisait pas dans son dépouillement, peut-être. Eh bien, voilà, sachez que ceci a été peint au moins un siècle après, et peut-être même probablement plus, après tout ce qu'il y a d'autre sur ce tableau, si je puis dire, en l'occurrence cette scène si souvent représentée de l'Annonciation. Alors, cette installation en quelque sorte du mécénat de la peinture dans la culture et dans la société française, bien sûr, le cardinal d'Amboise, alors au plus haut niveau, le cardinal d'Amboise en retient le mérite. Vous voyez, c'est intéressant, c'est régulièrement ces espèces d'initiateurs d'innovateurs qui ne sont pas le roi. Hein. Donc il y a eu Jacques Coeur, il y a le cardinal d'Amboise, et puis il y aura Fouquet, hein, avec l'histoire que l'on sait, Nicolas Fouquet. Donc, ceci étant, François Ier prend conscience de la nécessité qu'il y a à ce que le roi montre l'exemple par son mécénat, notamment son mécénat pictural. Ici, donc, vous voyez l'une des fresques qui est dans la galerie François Ier du château de Fontainebleau, on pourrait dire l'un des grands lieux de naissance de la Renaissance française sous l'égide de François Ier, qui constituera d'ailleurs un chantier considérable. Les artistes, hein, comme je le disais, c'est une économie. Hein, on va là où il y a du travail et on peut gagner sa vie. Donc, il y a énormément d'artistes, y compris étrangers, qui apprennent que ce chantier est très important, qu'il y a du travail. Eh bien, les artistes affluent. Les plus célèbres d'entre eux, bien sûr, pour ce qui est de la fresque, ce sont des Italiens, comme ce Rosso, hein, Rosso Fiorentino, et Primatis, bien sûr, on en parlera dans un instant. Mais il y en a évidemment beaucoup d'autres qui viennent des anciens Pays-Bas, qui viennent d'Italie aussi, et à un moment, après François Ier, peut-être après autour d'Henri II ou quelque chose comme ça, il semble qu'il y ait moins de travail, moins de commandes, et du coup, les artistes quittent. Et certains ne vont pas si loin que ça, puisque, par exemple, le fameux Dominique Florentin, le d'abord peintre puis sculpteur célèbre à Troyes, était dans un premier temps employé à Fontainebleau. Donc ici, c'est l'une des fresques de la galerie Fontainebleau qui est due à Rosso. Donc vous voyez, avec ces encadrements de stuc, c'est-à-dire cette poudre qui mélange du marbre et du plâtre, ce motif célébrissime des cuirs découpés, ces motifs à enroulement, hein, qui sont vraiment introduits particulièrement à Fontainebleau, et le thème donc de l'éléphant fleur-de-lysé. Alors cet éléphant qui a sur le fronton ici la salamandre, le F du royal, hein, sur
cette espèce de selle, finalement, qui est installée sur le côté, et éléphant qui est, si mes souvenirs sont bons, considéré comme l'emblème du roi, puisque sa force, mais aussi son intelligence, sont évidemment légendaires. Alors, donc, voilà, je veux citer un texte sur cette question qui est vraiment fondamentale. Pourquoi le roi est-il un mécène? Pourquoi le roi va-t-il peu à peu, le roi de France, hein, va-t-il peu à peu se soucier de ces questions de mécénat, particulièrement dans leur orientation autour de la peinture? Il y a un texte vraiment dans ce livre superbe, hein, qui est d'ailleurs l'histoire des bibliothèques, hein, de Frédéric Barbier, histoire des bibliothèques d'Alexandrie aux bibliothèques virtuelles, et qui explique donc à propos de la cour à la ville, bibliothèques princières et collections privées. Et il parle de Charles V, c'est-à-dire bien avant, hein, bien avant François Ier. Donc je cite, « Le pouvoir central, c'est-à-dire celui du roi, bien sûr, qui cherche à s'imposer peu à peu face aux logiques de la féodalité, doit mettre en scène l'exceptionnalité qui justifiera son caractère de pouvoir absolu. Il s'agit d'affirmer une distinction, selon la terminologie bourdieusienne, hein, Pierre Bourdieu, le sociologue, d'affirmer donc une distinction qui se manifestera dans le cadre, le château, et dans le mode de vie somptueux, dans les activités nobles, la chasse, etc., mais aussi dans les délassements artistiques, dans le mécénat, dans les préoccupations intellectuelles et dans la collection d'art, dont une bibliothèque particulièrement précieuse. » Donc voilà, il s'agit, il n'y a pas que des choses désintéressées là-dedans, c'est que dans la constitution et le renforcement de la royauté française, il faut s'affirmer, le roi doit s'affirmer, au sommet et au-delà de l'aristocratie, et par conséquent, il le fait à travers notamment son activité de mécénat. Je ne sais pas si vous avez vu ce film assez récent, extrêmement intéressant, « Le dernier duel », hein, c'est un film sur le Moyen-Âge français avec Matt Damon, c'est très très bien, c'est sur le XIVe siècle, donc, c'est-à-dire c'est la guerre de Cent Ans, et à l'époque du roi Charles VI le Fol. Et vraiment, la fragilité de la royauté française, s'il y a une époque à laquelle elle apparaît vraiment, bah, c'est celle-là. Et alors, vous avez Matt Damon, ce grand acteur américain, qui joue un noble du XIVe siècle en Normandie, donc ce n'est pas la grande aristocratie, et qui s'appelle, avec l'accent, John de Carrouge, parce qu'en fait, Matt Damon, il ne parle pas français, donc ils disent des noms français avec des accents à couper au couteau, c'est assez drôle. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce John de Carrouge, qui est très fidèle, qui a des tas de qualités, qui est très fidèle au roi de France, Charles VI, ce qui n'est pas le cas de tous les grands nobles, et notamment de ceux qui sont au-dessus de lui, mais c'est une brute analphabète. Au sens propre du terme. Il ne sait pas lire, il ne fait que la guerre, ben oui, il faut savoir, hein. Et en fait, c'est son épouse qui est, selon un schéma d'ailleurs, qui aura un succès et qui continue à l'avoir dans certains cas, c'est son épouse qui est en charge de porter cette image de la culture, du raffinement, etc. Dernier duel qui est beaucoup mieux que le dernier James Bond d'ailleurs, entre parenthèses. Bon, mais ça, c'est non, mais c'est vraiment un film intéressant d'une violence inouïe. Mais bon, bah, c'était un peu comme ça aussi. Hein, il faut bien le voir. Donc les petits, à mon avis, il faut pas forcément les emmener voir ça. Bon, donc là, nous avons le décor de fresques, hein, parce que c'est la spécialité des Italiens. Quand François Ier a commencé à s'intéresser à ça, si je puis dire, il a dû dire, faire une enquête autour de lui. Bon, alors, qui est-ce qui est bien là? Qu'est-ce qu'il faut inviter, etc. Alors, bon, il n'y avait pas de Français. On lui a dit, ben voilà, il y a Rosso, Fiorentino, etc. Donc, il invite Rosso et Primatis, hein,
Alors ça, ce sont des gens qui ont fait une belle carrière à l'étranger, hein, quand même. Ces deux Italiens qui sont venus là, ils sont anoblis, ils ont des pensions, ils ont les fameuses abbayes, sauf erreur de ma part, pour primatis commendataires, c'est-à-dire que vous êtes abbé, mais en fait, l'abbaye, vous y fichez jamais les pieds et vous récoltez pas mal de sous grâce à ça. Donc voilà, c'est vraiment, comme on dit familièrement, des petits ponts d'or qui ont été offerts à ces gens-là. Donc ici, un tableau cette fois-ci de primatis, Ulysse et Pénélope. Hein, alors c'est vraiment magnifique avec ce côté moderne et presque étrange. Hein, vous voyez cette scène au fond, là, dans une embrasure, dans une arcature à contre-jour avec des personnages, cette espèce d'allongement incroyable, les personnages longilignes. Et puis cette sensualité, évidemment, et le canon du corps avec Ulysse, ce personnage extrêmement puissant. Tout ça vient, bien sûr, pour part de Michel-Ange, hein, enfin, la chapelle Sixtine. Pas que les hommes, d'ailleurs, j'allais dire les hommes, mais c'est des forts déals, mais même les femmes à la chapelle Sixtine, vaut mieux pas trop aller leur chercher des histoires. Bon, donc, c'est un tableau qui est aux États-Unis, à Toledo, et qui, en fait... Alors, est-ce que... Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais est-ce que c'est Primatis lui-même? En tout cas, ça a l'air d'être un tableau de très belle qualité. Mais ça reproduit une série de 58 fresques de Primatis dans la galerie d'Ulysse, détruites sous Louis XV, hein, pour faire un escalier. Alors, il semblerait que c'était très abîmé, qu'on ne l'avait pas entretenu. Et puis, à un moment, on a dit, oh, bah, tiens, on va faire un escalier, là, et hop, 58 fresques, voilà, de comme quoi, bon, dommage qu'il n'y ait pas eu de service des monuments historiques à cette époque, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, donc ce démarrage de l'intérêt pour les arts en France, donc alors avec le décor du château, mais aussi la collection. Par exemple ici, ça c'est aussi une chose qui est partie, qui a quitté la France, hein, donc le tableau de cet artiste Bronzino, hein, la grande époque de la Renaissance italienne, florentine notamment, Vénus et l'amour, Vénus et Cupidon, pardon, avec cette sensualité bien sûr, hein, exacerbé, et puis c'est cette matière très porcelainée. Enfin, c'est un tableau qui est à Londres, très décapé d'ailleurs, comme souvent en Grande-Bretagne, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc, Bronzino dans les collections royales. Ceci dit, à certains égards, j'allais dire, alors tous ces tableaux italiens, enfin, oui, la première moitié du XVIe siècle sont peints sur bois, souvent pour les Italiens sur des panneaux de peuplier qui n'est pas un bois très noble et très solide. Et il faut savoir que à Fontainebleau, la collection du roi, quand bien même la cour est itinérante, hein, vous savez, la cour n'est pas fixée. C'est François Ier, malgré tout, qui lui va dire bon, il faut quand même un peu rester à Paris, etc., et qui fait des travaux au Louvre et tout. Mais enfin, la cour est itinérante. Pour autant, la collection royale, qui devait peut-être se balader un peu aussi de temps en temps, est à Fontainebleau et, hélas, mille fois hélas, dans l'appartement des Bains. Alors, les émanations de vapeur et surtout de vapeur d'eau et surtout les variations d'hygrométrie que cela déclenche, c'est véritablement catastrophique, hein, pour la préservation de ces tableaux sur bois. Ce qui fait que, alors celui-là, il est parti, semble-t-il, assez tôt, mais beaucoup d'autres tableaux de la collection royale, comme les Raphaël, etc., qu'on voit ici, par exemple, ont été énormément restaurés du fait de leur dégradation de par leur présence dans l'appartement des Bains, à se demander si ce n'est pas une espèce de volonté de faire revivre une certaine forme de vie antique, parce que, comme vous savez, dans les bains romains, hein, il y avait des œuvres d'art, hein, dans les thermes. Donc voilà, on rêve à cette époque, hein, de la Renaissance, voilà, de cette façon de faire revivre l'Antiquité dans toute sa gloire. Donc, autre tableau des collections royales, de François Ier, donc la Sainte Famille de 1518. Certains de ces tableaux ont été offerts à François Ier par le pape. Donc, alors ça, mais ce que je montre là, notamment ça et la suite, mais ça a été copié et recopié par les artistes français.
mais on en trouve des dizaines, voire des centaines. Moi, je ne serais pas étonné de savoir qu'entre le XVIe et le XVIIe siècle notamment, et au-delà, des milliers de reproductions de peintes hein, de ces tableaux ont été faites par les jeunes, j'allais dire les jeunes apprentis peintres. Donc la Sainte Famille ici, le Saint-Michel, autre célébrité insigne des collections royales, toujours de Raphaël, hein. Et puis voilà, pourquoi copier ? Parce que la pédagogie pour apprendre la peinture et la sculpture, elle est fondée sur la copie des grands chefs-d'œuvre antérieurs de la Renaissance, de l'Antiquité, etc. Et on ne peut mieux l'illustrer qu'avec cette vue d'un tableau que Virginia Verardi il y a encore peu, conservatrice des musées de Chalon, avait fait restaurer, à raison, cette vue de l'école gratuite de dessin de Chalon. Donc vous voyez quand même l'ampleur hein, de cet établissement au XVIIIe siècle. Hein. C'est une très grande salle, avec les pupitres, les gens affairés enfin, à leur travail de copie des dessins. Donc l'école de dessin constitue une collection de modèles et puis des plâtres qui eux-mêmes sont des copies des œuvres antiques, souvent très célèbres, l'Hercule Farnèse, le Discobole, etc. Et le Hallebardier, je ne m'en lasse pas de parler de lui, parce que quand même, les cours de dessin du soir maintenant, ou même les cours à l'école du Louvre ou autre, eh ben, il n'y a pas un Hallebardier avec sa lance à l'entrée. Dommage. Bon. D'ailleurs, je m'étonne qu'aujourd'hui... Bon, enfin bref. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend à peindre, en copiant, en dessinant. Et donc, d'où l'explication, si je puis dire, de ces innombrables copies qui aujourd'hui... Après diverses péripéties, sont très souvent, on le verra, dans des églises françaises, dans certains des musées, etc. Donc ça, c'est un tableau qui est au musée Garinet. Oui, au passage, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, on n'est pas à l'école à me demander ou à faire des remarques. C'est toujours intéressant, bien entendu. Oui, madame, vous vouliez... Non, ok. Autre tableau très important des collections royales, évidemment, c'est cette fameuse visitation hein, d'un autre artiste italien du XVIe siècle qui s'appelle Sebastiano dal Piombo, tableau du Louvre, qui a été restauré il n'y a pas longtemps. Et alors là, c'est là qu'on voit hein, l'appartement des bains. Je crois que ce n'était pas une riche idée. Hein, c'est que, bon. Bref. Donc, il a été restauré et fort bien restauré récemment, et dont il existe d'innombrables copies. Ça, par exemple, c'est une copie qui est dans l'église, l'une des églises de Nogent-sur-Seine, et il y en a une autre, au moins une autre, à la cathédrale de Troyes. Donc, vous voyez la célébrité de ces œuvres et la production, j'y insiste encore une fois, considérable de copies liées au fait que c'est le fondement hein, du système pédagogique d'apprentissage des arts, en fait. Copie de très grande qualité, parfois, souvent, et due, eh ben, parfois, à des gens qui, par la suite, sont devenus de très grands artistes. Hein. Et donc, il ne faut pas mépriser et négliger les copies. Bon, dans les collections royales aussi, bien entendu, ce tableau, que, sauf erreur, nous avons dûment payé en espèces sonnantes et trébuchantes, et sauf erreur aussi Léonard de Vinci, invité par François Ier. Donc, vous voyez, c'est ce mouvement de développement voilà, du mécénat et de création d'un foyer pictural en France. Donc, voilà, pas de revendication, on a payé. Donc, là, Joconde, elle est à nous. Voilà, c'est comme ça. D'autres œuvres. Alors, c'est intéressant parce que ça montre que finalement, le roi n'achète pas que des tableaux italiens. Alors ça, c'est une petite hypothèse un peu inédite que je vous propose. C'est que dans les inventaires de la collection de François Ier, connue, publiée notamment, entre autres, par une chercheuse américaine qui s'appelle Madame Cox-Rerick, qui a fait un très beau et grand livre, traduit en français d'ailleurs, sur la collection de François Ier, il y a une mention, à un moment, d'un tableau, et il est dit, d'un tableau du XVIe siècle, hein,
il est dit « l'homme qui fait le rebec avec sa bouche ». Et donc, ça c'est ma petite idée, c'est que ce serait ce tableau d'un artiste de Liège qui s'appelle Lambert Lombard, hein, comme Lombard, les Lombards. Le rebec, comme vous savez, ce n'est pas l'espèce de grande flûte que tient ce musicien, mais c'est un petit violon. Et je pense qu'au bout, très souvent, comme dans les viols de gambe, etc., la tête est sculptée, parfois avec des personnages grotesques, etc. Et ce serait peut-être l'origine de cette idée, l'homme qui fait le rebec avec sa bouche. Donc voilà. Comme quoi, le roi s'intéresse aussi à la peinture, comme on dirait aujourd'hui familièrement, flamande. Maintenant, une autre idée avec cette hideuse diapo, je vous prie de m'excuser. Quand on s'intéresse à la peinture et qu'on est le roi, évidemment, à un moment donné, vient l'idée de se faire portraiturer, de se faire peindre. Alors, on va demander à un artiste qui, là encore, lui a été recommandé par quelqu'un. Vous savez que François Ier, je crois, a notamment par l'entremise d'un personnage assez étrange et intéressant qui s'appelle l'Arétin, une sorte d'intermédiaire entre les artistes et les grands de ce monde, etc., de faire venir Michel-Ange en France, qui a dit « qu'est-ce que j'allais faire là ?» C'est pas là que ça se passe, quoi, vous voyez, encore à cette époque. Quand on est Michel-Ange et qu'on est à Florence, à Rome, etc., la France, c'est un peu la campagne, quoi. Donc, il ne vient pas, ça ne l'intéresse pas. Et même quand l'Arétin lui dit « mais pourquoi ?» et tout, il l'envoie paître en disant « écoutez, fichez-moi la paix, je fais ce que je veux ». C'est cette image d'artiste qui a tous les droits, hein, qui peut envoyer balader qui il veut. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc, François Ier demande à Titien, hein, le peintre vénitien célébrissime, qui ne vient pas voir la tête qu'il avait, en gros. Hein. On lui envoie une médaille, profil, donc, c'est pour ça que le portrait est fait de profil, parce que bah, quand on est Titien, c'est pareil, on ne va quand même pas faire le voyage de France pour aller voir et se payer et faire un tableau, il n'a pas besoin de ça, quoi. Bon. Donc, nous avons au Louvre ce portrait par Titien de François Ier qui porte, alors vous voyez ici cette espèce de drap qui vert qui joue une fonction de calage du regard et de renvoi du regard vers la droite, hein, pour ne pas que le regard sorte du tableau et perde en fait le visage du roi. Et puis cette idée, alors il tient son épée fermement, cette idée du... Vous savez, il était très grand, très sportif, il chasse tous les jours, comme la plupart de nos rois d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Mais enfin, il était très grand, très 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 fort, etc. Et puis alors, il a le collier de l'ordre de Saint-Michel, hein, créé par Louis XI, si je ne me trompe. Et donc, c'est une image très virile, hein, de François Ier. Et alors, avec tous les guillemets nécessaires, non pas superficiels, mais on comprend quand on voit ça qu'il ne l'a pas vu, il ne l'a pas rencontré. À l'inverse, Jean Clouet, qui peint cet autre portrait du roi que nous avons aussi au Louvre, par chance, il y a quand même des choses qui ne sont pas parties. Lui a vu le roi et curieusement, le portrait ture de face, mais se concentre sur finalement le côté mécène élégant, sur le vêtement extrêmement précieux, les reflets sur les soies. Et vous voyez qu'ici, le geste sur le pommeau de l'épée est beaucoup plus raffiné. Ce n'est pas un personnage guerrier que l'on représente, mais beaucoup plus un grand aristocrate, et pour cause, hein, c'est le roi, qui s'habille de manière somptueuse, très élégante, et que finalement, le visage en tant que tel n'est pas si expressif que ça, à certains égards. Bon, et puis, au fond, un brocard à l'arrière-plan. Et alors ça, eh ben, c'est pas... Parce que Clouet, il est probablement originaire du Nord... Ce n'est pas un artiste, on va dire, français, si ce n'est d'adoption, qui fait le portrait du roi. Hein. Là encore, on retombe, enfin, si on peut dire, mais sur cette ambivalence, c'est ce balancement entre le Sud et le Nord dans la constitution de l'art français. Alors, il y a même un texte, d'ailleurs, assez extraordinaire
qui, alors c'est un texte italien d'un artiste qui s'appelle Francisco da Hollanda, François de Hollande, et qui rapporte ce qu'auraient été les propos de Michel-Ange. Alors même si ce n'est pas exactement ce qu'a dit Michel-Ange, comme c'est écrit dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ça témoigne d'un certain courant d'opinion. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que Michel-Ange lui-même ait dit ça, entre parenthèses. Mais donc, il dit à Michel-Ange, qui commente la peinture flamande, on va dire ça par commodité encore, de toute façon, ces peintres flamands, ils peignent pour tromper la vue extérieure. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, et il brode ensuite, c'est le cas de le dire, cette peinture n'est faite que de rubans, ces artistes flamands peignent ce qu'ils appellent des paysages, où ils mettent un personnage par-ci, un personnage par-là, etc. C'est-à-dire, tout cela, je cite encore, est fait sans fond, sans discernement et sans nerf, c'est-à-dire qu'on s'arrête à la surface des choses. C'est pour ça qu'il dit « on peint pour tromper la vue extérieure ». Et quand on parle d'une vue extérieure, ça veut dire qu'il y a une vue intérieure. Et que très étrangement, mais c'est évidemment passionnant d'essayer d'analyser cette expression, la peinture peut s'adresser à une vue intérieure, finalement. Voilà. Alors, bien sûr, un jour viendra où un peintre français, en l'occurrence Hyacinthe Rigaud, fera le portrait du roi, dans lequel ça n'est peut-être pas trop abusé que de dire qu'on va trouver la synthèse, finalement, de ces deux visions qu'on voyait antérieurement, c'est-à-dire ce côté prestigieux, ce côté noble, et puis l'élégance le raffinement, finalement, du roi Louis XIV. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tableaux qui sont peints en France et par des Français, a priori, à cette époque. Bon, ici, un tableau de Chalon, du Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Chalon. Cette annonce au berger avec... Il y a quand même une série à Chalon de tableaux du XVIe siècle français. C'est rare, c'est vraiment rare. Il n'y a pas beaucoup quand même de ces peintures. Donc, ce sont des choses extrêmement précieuses. Donc, alors l'adoration des bergers avec la Vierge, Saint Joseph, les bergers qui arrivent là, qui accourent. Tout ceci, et c'est très intéressant, bien sûr, sur les ruines du monde antique, c'est-à-dire du monde païen. Puisque vous voyez, le lierre et des plantes grimpantes sont en train de ronger les colonnes qui elles-mêmes sont cassées. Il y a des tas de choses qui sont tombées au sol. Pourquoi ? Des chapiteaux, etc. Parce que c'est évidemment la nouvelle, la seule et la vraie religion qui supplante tout cet aspect du paganisme, en fait. Donc voilà, un tableau peint en France au XVIe siècle, très probablement, et avec, malgré tout, évidemment, des souvenirs de l'art italien. Vous voyez que là aussi, le Saint-Joseph, ce n'est pas un maigrelet, il a quand même des épaules une carrure très respectable. Voilà, c'est la peinture qui se trouve dans les églises françaises au XVIe siècle, en moins grand nombre, encore une fois, qu'aux anciens Pays-Bas, par exemple, mais malgré tout, il y a la présence d'un art en France à cette époque. Autre chose, plus tardif, ça c'est un tableau, et je rends hommage d'ailleurs à l'Association des conservateurs des musées qui a un site, je vous le recommande, ça s'appelle Musée Grand Est, c'est l'Association des conservateurs du Grand Est, site sur lequel ils ont mis beaucoup d'œuvres, de leur collection, pas tout, mais il y en a quand même déjà pas mal. J'ai pas eu le temps de tout feuilleter, mais il y a beaucoup de pages. Donc là, c'est une œuvre qui est à Sarrebourg, au musée du pays de Sarrebourg, en provenance, bien entendu, d'une institution religieuse, c'est-à-dire du réfectoire des moines de l'ancienne abbaye de Haute-Seille. Alors, c'est une iconographie assez fréquente, le miracle de la lactation de Saint Bernard, c'est-à-dire que, pardon de mes termes familiers, mais à distance, la Vierge nourrit avec le lait de son sein Saint Bernard. Vous voyez qu'ici, on voit les petites gouttes de lait qui arrivent. Vous avez un tableau qui illustre ce thème qui était assez fréquent quand même. Au musée Garinet aussi, un tableau de l'école de Rubens.
Donc l'actation de Saint Bernard avec la crucifixion derrière, et puis ici un Saint Michel, d'ailleurs dûment identifié hein, par une inscription, Sancte Michael ici. Et c'est un tableau aussi, d'ailleurs, comme la très bonne notice faite par la collègue le signale, signé d'un certain Jean Fenn, Fenn, F-E-N-E, il n'y a pas d'accent, et daté de 1605. Et c'est très intéressant parce qu'on verrait ce tableau comme ça, pour les gens qui ont un peu l'habitude, on dirait que c'est un tableau du XVIe siècle. Ouais. Parce qu'il y a, bah voilà, dans ces écoles, alors je déteste l'expression, mais je l'utilise quand même par commodité, eu égard, je la déteste, pourquoi ? Parce qu'à cause des connotations méprisables qu'elle peut promener, mais les écoles provinciales, eh bien, évidemment, il y a un peu de retard, si vous voulez, sur certaines choses. Ceci étant, on voit... Vous voyez, là encore, le Christ, ce n'est pas du tout, comme on voit parfois dans la peinture du Nord, ce pauvre personnage squelettique, etc. C'est un personnage très musclé, etc. Tout ça vient de Michel-Ange aussi. Et là, donc avec une vue de ville à l'arrière-plan, si vous regardez ce personnage de Saint-Michel, il vient d'une gravure... vous voyez la pose avec la palme dans la main gauche et puis la main levée sur la droite. Il vient d'une gravure antérieure du XVIe siècle, faite par Viérix, le graveur, d'après un artiste très important et très prolifique flamand, voilà, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Martin de Vos, V-O-S. Ça veut dire renard en flamand. Bon. Donc, voyez, le rôle de la gravure dans la diffusion des motifs. Bah oui, alors quand on est... Alors c'est pas seulement les Français, hein, faut pas non plus battre sa coulpe un peu trop, un peu beaucoup. Quand on a un atelier et puis qu'on a une commande et qu'on est un peu en panne d'inspiration, voilà, on a un portefeuille de gravure, on feuillette ça et puis on se dit, bah tiens, ça c'est pas mal, je vais le mettre comme ça et puis je l'installe sur mon tableau et puis je mettrai d'autres choses autour, quoi. Et ça, je l'ai trouvé grâce d'ailleurs à une vente qui a eu lieu chez Arcurial. Vous voyez comme ça diffuse, c'est très intéressant. Un petit cuivre qui, lui, peut-être est flamand. C'est une vente qui a eu lieu chez Arcurial. Très bon catalogue de vente qui avait bien identifié la gravure, d'ailleurs, modèle. Et elle-même, d'ailleurs, alors c'est peut-être un peu, entre guillemets, tiré par les cheveux, mais moi, je pense que ce Martin de Vos, là, lui-même s'inspire de modèles qui viendraient peut-être de Raphaël, etc. Vous voyez, cette espèce de posture un peu théâtrale, un peu gymnaste, en quelque sorte, un peu, entre guillemets, grandiloquente. C'est pas autochtone flamand, quoi. Bref, on voit comme quoi tout ça... fait l'objet d'échanges très importants et la gravure aide beaucoup évidemment à ça. Alors ces écoles provinciales, elles sont actives bien entendu. Ici par exemple, c'est un ex-voto au musée de Sainte-Menou et c'est Sainte-Menou avec une représentation. Alors évidemment, c'est pas un relevé cadastral. Hein. Je pense qu'il y a peut-être quelques fantaisies là-dedans, mais c'est Sainte-Menou qu'on voit à l'arrière-plan ici. Un vœu à l'époque de Louis XIII, avec le Dieu qui, dans les nuées, casse des flèches, qui, traditionnellement, est la marque de la fin d'une épidémie, notamment de peste. Hein, voilà. Donc, alors, évidemment, cette peinture, si vous regardez les proportions, si vous regardez la perspective du paysage, son caractère extrêmement sommaire, finalement, bien qu'il y ait quand même une construction de coulisses, comme on dit, entre des plans un peu assombris et des plans plus clairs pour suggérer la profondeur. Évidemment, je cite un de mes profs, un des conservateurs éminents du Louvre aujourd'hui en retraite, Jean-Pierre Cusin. Évidemment, les Italiens, alors ils ne parlaient pas de ce tableau-là, mais d'autres tableaux français, ils voient ça, donc ils ricanent, parce que c'est naïf, c'est pas proportionné, c'est pas le grand art, quoi. Entre parenthèses, évidemment, hein, cette peinture et toute la littérature qui va autour, elle est l'objet d'une propagande. Le but des Italiens, y compris des plus grands historiographes italiens, comme par exemple Vasari, qui publie ce monumental ouvrage sur les vies des artistes au milieu du XVIe siècle, c'est très sérieux, c'est extrêmement précieux. N'empêche que derrière tout ça, il y a quand même l'idée, c'est nous les meilleurs. Et puis c'est tout. Et à l'intérieur même de l'Italie, les Florentins, hein, qui sont bien meilleurs que les autres. Bon. Alors,
les échanges, ils se font, et la connaissance de ce qui, du goût venu d'ailleurs, ils se font à travers la gravure, mais ils se font aussi à travers les voyages d'artistes. On va en Italie, on va peut-être en Flandre moins souvent, mais comme les Italiens ont réussi à imposer l'idée que de toute façon, c'était eux les meilleurs, ben c'est là qu'on va voir les vestiges de l'Antiquité, que l'on va voir l'art moderne, entre guillemets, oui, du XVIe, du XVIIe siècle. Et certains de ces artistes passent en France, et pour cause, puisque c'est, la France est située entre les deux, et s'y arrête. On sait par exemple que Pierre Bruegel, qui descendait vers l'Italie, s'est arrêté à Lyon. Alors on ne sait pas s'il y a fait des choses, peut-être. Et voilà, ça c'était un décor dans une chapelle, un château à côté de Autun, château de Montjeu. Et manifestement, un artiste du Nord qui revenait probablement d'Italie et qui a fait cette Sainte Madeleine dans un paysage. Alors tout ça, c'est une adjonction ultérieure. Hein. Le peintre du XVIIe siècle, alors manifestement un artiste, encore une fois, flamand, c'est cette lunette-là, avec ces espèces de constructions étonnantes, ces espèces de ponts très fragiles. Et les personnages en train de passer là-dessus, ça donne une atmosphère, là encore, presque un peu fantastique et caractéristique hein, du paysage de cette époque, de première moitié, milieu du XVIIe siècle. Voilà, ça, c'est un artiste qui s'est arrêté en France et qui a eu une commande. Et puis, il a dû rester quelques temps parce que toute la chapelle est décorée aussi avec des petits panneaux encastrés dans des lambris. Alors, oui. La collection royale, évidemment, François Ier, on peut dire, a installé ça, quand bien même avant lui, il y a déjà des œuvres, et notamment, sauf erreur, de Léonard de Vinci, dans la collection de Louis XII. Mais bon, je pense qu'on peut dire que François Ier a vraiment développé beaucoup ces choses. Et par la suite, ça ne fait, entre guillemets, que croître et embellir. La collection du roi se développe. Et il y a dans l'enrichissement de la collection royale, un artiste et un personnage, oui, absolument considérable, qui est en l'occurrence le fameux Évrard Jabach. Ça s'écrit J-A-B-A-C-H. Alors, voyez, ça, c'est la famille par Lebrun, Charles Lebrun, le premier peintre du roi Louis XIV. C'est le portrait de Jabach par Charles Lebrun, qui s'est représenté d'ailleurs ici, c'est très intéressant, comme un petit écho lointain au tableau de Van Eyck, vous savez, ce célébrissime tableau « Les époux Arnolfini », qui est à Londres, où on voit un marchand italien, Arnolfini, qui était installé à Bruges, qui tient la main de son épouse, et dans le fond du tableau, il y a un petit miroir sur lequel on voit le reflet de Van Eyck en train de peindre le tableau. Et là, alors je ne sais pas si Lebrun avait vu ça, mais à côté de la famille ici, donc Évrard Jabach, son épouse et ses enfants, eh ben, il y a un miroir là dans lequel vous voyez Charles Lebrun en train de peindre son tableau. Voilà, voilà. Et je suis reconnaissant au Metropolitan Museum qui a ce tableau, pardon, de la qualité de son site. Hein. Vous voyez la qualité des images, enfin, c'est vraiment, on peut agrandir. C'est absolument remarquable. Hein. Et on peut détailler alors, tous les portraits des enfants et puis les œuvres d'art. Par exemple, ici, une sculpture s'est identifiée. Souzini, c'est un bronze, le lion qui attaque un cheval, je pense. Et puis aussi, même les livres hein, ont été identifiés par les collègues du Metropolitan Museum, les livres qui sont au sol. Tout ça... on sait de quel livre il s'agit ici, etc., etc. Enfin, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les références de tout ça. Donc, ce Jabach, c'est un collectionneur absolument considérable de dessins, notamment, mais aussi de tableaux. Hein. Cette collection, elle est connue.
Jabach a tellement d'œuvres, notamment des Italiens, mais pas uniquement, que même le roi et Colbert savent tout ce qu'il a. Jabach, c'est un copain de Lebrun qui vient chez lui. Tiens, j'ai acheté un truc, je vais te montrer et tout. Et c'est vraiment, enfin, des choses. Il y a des tonnes de tableaux du Louvre qui viennent de chez lui, hein, parce que le roi a acheté en deux fois, d'ailleurs, la collection du fameux Jabach. Et alors, ces grands collectionneurs, ils ont évidemment un rôle dans, considérable dans aussi la constitution et l'évolution de l'art français, puisque ben, les peintres français, je suppose que ce sont des gens, alors vous voyez qu'ils n'habitent pas dans un deux pièces cuisine, hein, quand même, voilà, il faut la place pour mettre toutes ces choses, et eh bien, les artistes sont invités à voir les tableaux qui sont des références, hein, et qui vont devenir des références pour leur création à eux-mêmes. Alors, pourquoi je parle de ce personnage ? Parce que dans cette histoire de la constitution du style français, il y a un texte extrêmement important, enfin parmi d'autres bien sûr, mais qui est le journal de voyage du cavalier Bernin. Lorsque, et ça avait déjà commencé avec François Ier d'ailleurs, comme je vous le disais, François Ier a fait les travaux au Louvre parce qu'il a dû se dire, bon, à force de bouger d'un château à l'autre, c'est bien gentil, mais on a du mal à installer aussi le pouvoir royal si on n'est pas à demeure, si je puis dire, quelque part quand même. Donc, Louis XIV, au début, si je puis dire, ne tient pas à faire agrandir le château de Versailles, qui existait déjà à l'époque de son père, et Louis XIV en avait le souvenir parce qu'il allait chasser avec son père à Versailles, hein, avec le château dont on voit la partie centrale, hein, qui date de l'époque de Louis XIII. Louis XIV dit, bon, moi, je veux agrandir le Louvre, qui est-ce qu'il faut appeler ? À qui on va faire appel ? Et évidemment, enfin, pardon, évidemment, mais ce n'est pas un Français. Donc, c'est le Bernin. On lui dit, ouais, c'est la star du moment, etc. Le Bernin qui a fait les anges du Pont-Saint-Ange, la colonnade de Saint-Pierre. Bon, quand on voit le pape qui bénit les foules, hein, toute la colonnade comme des bras autour des gens, c'est le Bernin qui a fait ça, l'extase de Sainte-Thérèse, etc., etc., etc. Ce genre de personnage qui est l'héritier, quelque part, dans cette espèce de côté de génie universel, hein, qui est à la fois architecte, peintre, sculpteur, enfin, etc., etc. Bon, c'est lui qu'il faut appeler. Et donc, Louis XIV dit, bon, moi, je veux le meilleur, ou, enfin, pas encore la meilleure, hélas, à cette époque, mais je veux le meilleur, et donc on appelle le Bernin. Sauf que le Bernin, il ne parle pas français, il accepte de venir, petite évolution, hein, d'ailleurs, par rapport au XVIe siècle, il accepte de venir pour agrandir le Louvre, et on lui adjoint, bien entendu, un interprète qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est un personnage très cultivé, qui lui-même a une collection d'art, qui s'appelle Paul Fréard de Chanteloup. Et, alors, le Bernin, c'est le Bernin, bien entendu, c'est la star, hein, et donc, le côté, pardonnez-moi, un peu coince-coince de la cour de France et tout, il n'en a strictement rien à faire. Il dit ce qu'il pense, quand il a des trucs désagréables à dire, même un peu d'ailleurs par provocation parfois, un peu, avec un peu de malice, il le dit sans problème. Et tout ça, évidemment, c'est pas tellement la tradition, d'autant que ça, c'est un peu débordant par moments. Et alors, il y a un épisode, puisque ce Chanteloup, qui est le traducteur, a eu la très bonne idée d'écrire un journal dans lequel il consignait au jour le jour ce qui se passait et ce que le Bernin disait, ce qu'on lui répondait, etc. Et alors, le Bernin, il arrive. Donc, encore une fois, à mon avis, les Français n'avaient pas trop le sens de l'humour. Hein. On n'est pas belge, on n'est pas... Bref, donc c'était... dès qu'il y avait la moindre remarque, voilà, bon. Donc, et tout ça se passe, comme on dit, au plus haut niveau, quoi. Parce que, par exemple... Chanteloup raconte, là, voilà, ça c'est le 3 septembre 1665. Le soir, voilà, le soir, j'ai été au souper du roi, qui, parlant d'un borgne, alors il parle italien, le roi sait parler italien, il est très content.
Monsieur, le frère du roi, m'a demandé s'il n'y avait point autre parole. J'ai dit que Guercio était le mot propre. Alors, Chanteloup parle parfaitement l'italien. Sa Majesté a dit en raillant, Chanteloup, c'est la délicatesse de la langue. Cet après-dîner, il a voulu parler en beaux termes. Gna, 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 gna. Le roi m'a dit à son sujet, il parle du Bernin, il ne loue pas beaucoup de choses. Autrement dit, il critique tout, tout est nul, tout est moche, etc. J'ai réparti, alors le pauvre Chanteloup, il est un peu go-between, hein, j'ai réparti, sire, il ne blâme rien aussi, n'ayant pas encore vu ce qui mérite d'être loué pour ce qu'il a toujours travaillé depuis qu'il est en France. Bref, donc, ça va pas fort, quoi. Et alors, après, le lendemain, donc il y a ce texte qui est vraiment fabuleux, quoi. Le quatrième, c'est-à-dire 4 septembre 1665, l'abbé Butti, donc un Italien, l'entourage du Bernin, étant venu à l'hôtel Mazarin, je lui ai conté ce que le roi m'avait dit du cavalier Bernin, le jour précédent, afin qu'il l'en avertît et qu'il se rendît plus facile à voir les choses et les louer. L'abbé a dit que c'était Lebrun, capin ça, hein, qui était l'auteur de ce bruit, à cause que le cavalier ne louait pas ses ouvrages, qui en effet ne valent rien et ne le méritent pas, et qu'il peint comme un flamand. Première torpille. Vous voyez, gne, 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 l'espèce de besogneux qui va... Mais c'est ça, vous voyez, chaque feuille d'arbre, chaque petit poil de tapis, etc., il peint comme un flamand. Je reprends la citation. « Je lui ai réparti qu'au moins ne pouvait-on lui ôter qu'il n'ait beaucoup d'inventions. » Très intéressant. C'est-à-dire que vous avez en deux phrases l'expression de ce qui est l'analyse du tréfonds de la création. Vous avez l'invention, c'est-à-dire la capacité, c'est clair, à inventer, c'est-à-dire à mettre en forme comme un metteur en scène, quelque part, à partir d'un thème, et d'autre part, l'exécution. C'est-à-dire, il peint comme un flamand, c'est-à-dire un besogneux. Je lui ai réparti qu'au moins ne pouvait-on lui ôter qu'il n'ait beaucoup d'inventions. Cette invention, a-t-il répliqué, n'est tirée que des dessins de Jabach. Il y a à Rome un Carluccio qui est bien un autre peintre. Fin de citation. Donc, voyez, il n'y a pas de peinture française. Parce que les Français, ils peignent comme des Flamands. Et d'autre part, ils ne sont même pas capables, quand bien même ils peignent comme des Flamands, d'inventer, c'est-à-dire de créer une scène à partir d'un thème littéraire, quel que soit, biblique ou autre. Et vraiment, dans ce petit texte, on sent la difficulté, encore une fois, de l'émergence du style français pictural. Vous voyez ? Alors, Lebrun toujours, donc, ce tableau de la chasse de Méléagre, qui est... alors, le tableau, là, non, mais quand même, hein, parce que ça... Je ne veux pas sortir mon mouchoir à toutes les diapos, mais quand vous pensez, eu égard à l'importance, c'est un Allemand originaire de Cologne, mais il est venu s'installer à Paris, heureusement pour nous, hein, Jabach. Et donc, tout ce qu'il achetait, c'est resté en France. Et ça a été acheté par le roi et par Colbert, qui ont eu quand même l'intelligence de comprendre, et je suppose, y compris avec des gens comme Chanteloup, qui approchent le roi, etc., qui lui disent, mais il faut acheter ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est unique, etc. Bref, mais ce tableau est parti aux États-Unis. Parce qu'il était en Grande-Bretagne et que, alors là, ce n'est pas de la faute des Français, mais il était impossible de l'acheter, pas de la faute des Américains non plus. Bon, nos amis anglais, je n'en dirai pas plus. Voilà, donc, ce n'est pas les sous-marins, mais c'en est pas loin. Donc, voilà, nous n'avons pas... Bon, enfin, c'est très bien que ce soit au Metropolitan Museum. En plus, c'est remarquable. Si vous avez l'occasion de voir ce site, mais vraiment, les tableaux, vous avez les images de comparaison. Chaque image de comparaison a des notices, etc. Enfin, waouh, c'est remarquablement fait. Bref. Donc, ici, un autre tableau de Lebrun, grand tableau du Louvre, mais tableau de collaboration. Ce sont des très grandes toiles qui servaient de modèles pour des tapisseries. Donc, les chasses de Méléagre,
tableau du Louvre, les chasses de Méléagre et Atalante qui chassent un énorme sanglier, ici de taille conséquente, avec une meute. Chasse à l'arc, hein, c'est quand même sportif de chasser le sanglier à l'arc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, donc, les personnages sont faits par le brun, mais il y a probablement deux autres artistes dans un système de division du travail qui est caractéristique de cette époque. Hein, dans les grandes entreprises artistiques, il y a des spécialistes du paysage, il y a des spécialistes des animaux. En l'occurrence ici, peut-être un artiste flamand venu en France, très beau peintre, qui s'appelle Peter Boulle, B-O-E-L. Et le paysage, peut-être, c'est l'hypothèse d'une historienne d'art qui a beaucoup travaillé ces questions, qui serait un peintre beaucoup moins connu que Lebrun, bien sûr, hein, qui s'appelle Nicolas Belin, auquel sont attribuées sept peintures achetées, il n'y a pas si longtemps encore, par le musée de Sainte-Menou, très joli musée, hein, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Superbe. Et donc, ce Nicolas Belin serait l'auteur du paysage, car là encore, alors on n'est pas dans les mêmes formats, parce que le tableau que je montrais à l'instant, Chasse de Méléagre, c'est quand même 3 mètres 10 de haut sur 5 mètres 11 de long. Donc là, ce sont des petits panneaux sur bois, mais enfin, très, très jolie chose. Donc, sur l'histoire de Moïse, Moïse déposé sur le Nil, la fille de Pharaon découvrant Moïse, Moïse et le serpent d'airain, Moïse enterrant le corps de l'Égyptien mort. Ici, je vous avoue, je ne sais plus quelle est cette histoire de massacre. Et puis un dernier, parce qu'ils ont été achetés en deux fois. Donc, voyez, voilà, ça, c'est la peinture française, parisienne, on va dire par commodité, du XVIIe siècle. Et c'était intéressant, et je suis content que la ville de Sainte-Menou ait suivi cette idée, d'avoir quand même un exemple, alors il n'y a pas besoin d'en avoir 50, mais de ce qu'est l'art français, on va dire par commodité, aristocratique, hein, du XVIIe siècle, dans une petite ville en région qui offre à ses visiteurs, voilà, grâce à cet ensemble, un bel exemple de peinture classique française parisienne. Ce qui n'est pas dire, encore une fois, que c'est la seule qui soit intéressante. Et oui, Moïse, c'est un dernier, ça, le frappement du rocher. Alors, un autre thème, c'est celui, alors, toujours dans cette idée de la division des talents à l'échelle de l'Europe, vous avez cette affaire du paysage. Hein, ici, ça fait toujours le XVIe siècle, mais ce sont des thèmes qui restent valables assez longtemps après. En gros, c'est un texte qui explique dans une publication de 1576. Le propre du Belge est de bien peindre la campagne et celui de l'Italien de peindre les hommes et les dieux. Alors, c'est blague belge avant l'heure, parce qu'en fait, le texte après dit c'est parce que le Belge a son intelligence dans sa main et l'Italien dans sa tête. Donc, Jean le Hollandais, comme cet artiste-là, tu as préféré mieux peindre des paysages avec ta main que de mal peindre des personnages avec ta tête. Bon, voilà, en gros. Donc, vous voyez, cette idée qu'il y a une division du travail, et il n'est même pas question de la France, là. Il y a les paysages, on méprise les besogneux, mais on en parle quand même. Et puis les Italiens qui sont mieux, qui sont meilleurs, parce qu'ils font la grande peinture d'histoire, etc. Donc, ces paysages, il y en a beaucoup, hein, évidemment, et il y en a dans les collections royales aussi, et y compris celle de Louis XIV. Comme ce Bril, un peintre qui est allé s'installer en Italie, originaire d'Anvers, à la suite de son frère aîné, d'ailleurs. Ça, c'est un tableau du Louvre. Ou encore un autre tableau de Bril du Louvre, la chasse aux cerfs, un peu plus rustique, hein, un peu plus, enfin, j'allais dire archaïque dans sa rusticité. Voilà. Autre thème, autre genre, comme on dit, artistique, c'est celui de la nature morte, avec la naissance, finalement, de ces tableaux de bouquets de fleurs. Ici, tableau d'un très bel artiste de Courtrai, qui s'appelle Roland Savry, dont il y a un chef-d'œuvre au Musée des Beaux-Arts de Reims, mais qui est un paysage avec l'Arche de Noé et les animaux. Donc, vous voyez, ces natures mortes archaïques, un peu sombres, avec tout un univers de bestioles, de lézards, de papillons, d'insectes, etc. Donc là, c'est quand même plutôt peut-être la première moitié du XVIIe siècle. Après, il y a une évolution toujours dans le nord de l'Europe, un peu décorative, avec des tableaux comme celui-ci, qui est vraiment extraordinaire,
C'est un artiste qui s'appelle Jan van Rossum. Donc, vous voyez, on repousse le bouquet vers le fond. Et il y a cette trompe-l'œil de ce qu'on appelle au XVIIe siècle la custode, c'est-à-dire un rideau que l'on mettait pour protéger les tableaux. Donc, c'est comme s'il y avait un rideau devant le tableau, mais en fait, tout est peint. Et puis, tous les jeux sur le contre-jour. Enfin, c'est absolument magnifique, magnifiquement peint. C'est un marchand anglais, un très grand marchand anglais, qui a vendu ça à un musée allemand il n'y a pas longtemps. Mais, là encore... Trop nettoyé à mon goût, trop. Si vous voulez, il n'y a aucune patine, on enlève tout le vernis, on a l'impression que ça a été peint il y a 8 jours et ça date du milieu du XVIIe siècle, quoi, quand même. Bref. Donc, très international ce genre du bouquet aussi. Ça, c'est un artiste d'origine allemande qui s'appelle Abraham Mignon, un tableau du Louvre. On est un peu dans la même veine, vous savez, les bouquets un peu foisonnants, un peu. Avec des bouquets impossibles, hein, c'est pas des fleurs, ce ne sont pas des fleurs qui fleurissent à la même époque de l'année, mais on a des bouquins avec les représentations des fleurs. Et puis là, un tableau peint en France par un artiste d'origine anversoise, mais installé en France. Magnifique tableau du musée de Troyes. Donc ce Jean-Michel Picard, où vous voyez quand même un bouquet plus sobre, moins exubérant. Et puis, encore aussi, malgré tout, pas ces jeux de reflets sans fin sur la panse des vases, etc. Il y a juste l'évocation quand même assez succincte du reflet d'une fenêtre, hein, qui est celle de l'atelier de l'artiste, quoi. Donc voilà. Alors, d'autres choses aussi, et puis il faudra bientôt que je termine, parce que je me rends compte que... Bon. Ça, Baudesson, un artiste originaire de Troyes, qui est plus tardif, vous voyez, plus échevelé, j'allais dire. Et alors que l'autre est peint sur cuivre, il est plus fin. Là, c'est peint sur toile, donc c'est plus large, comme on dit, plus succinct, mais sans aucun caractère péjoratif. Et puis, bien sûr, il y a aussi ces tableaux de corbeilles de fruits, comme on voit Caravage ici, avec la vue en contre-plongée. Et le verre qui a commencé à manger la pomme ici, ce qui fait que les contre-jours sur les feuilles qui sont en train de se dessécher. Donc il y a l'évocation, ce thème de la vanité. Bon, les artistes italiens, bon, Caravage, c'est Caravage, hein, évidemment, mais les autres, il y a toujours ce côté, cette espèce de côté pulpeux, très exubérant, enfin très très riche. Et très généreux, les fruits, les grenades qui sont éclatées, vous voyez, comme ici des tableaux de Troyes, qui a vraiment une collection de peintures du XVIIe siècle absolument admirable, là aussi à Troyes. Donc celui-ci, c'est. Je me confonds toujours entre Cusati et puis l'autre. Oui, c'est ça, Cusati. Et là, un autre tableau de Troyes encore, considérable tableau. C'est des choses qu'on ne voyait pas. C'était accroché au-dessus des portes à 3 mètres de haut, dans une espèce de cagibi tout noir, franchement. Et là, moi, je rends hommage à Madame Rouquet qui a fait restaurer ce tableau. Maintenant, on voit ces tableaux absolument magnifiques. Mais voyez ce côté négligé, hein, en apparence, bien entendu. Hein, c'est comme si les fleurs étaient jetées là nonchalamment. Ça, c'est typiquement italien. Hein. Par exemple, très différent, les choses espagnoles, voyez, hein, les choses posées dans une niche, etc., comme des espèces de reliques. Hein. Mais ces côtés décoratifs, on le trouve aussi chez les artistes français. Ça, c'est un tableau, très beau tableau d'ailleurs, autour de Monnoyer, hein, les grands décorateurs actifs à l'époque de Louis XIV, hein, qui était chez un très grand antiquaire. Parisien d'ailleurs, il a une galerie à Londres, une autre à New York, etc., qui s'appelle Didier Aron. Voilà, donc Jean-Baptiste Monnoyer, Jean-David Dehaene, des tableaux Les Grandes Natures Mortes. Alors cette fois-ci, c'est un Néerlandais installé à Anvers, mais ce tableau est au Louvre et il a été copié par les artistes du 19e siècle et au-delà en France, notamment par Cézanne. Et puis, voyez, ce côté français, malgré tout, plus... très sobre, alors antérieur à ce qu'on vient de voir. Hein. Ici, ce tableau de ce merveilleux artiste, hein, Lubin Baugin, B-A-U-G-I-N, le dessert de gaufrette. Il n'y a pas grand-chose. Hein.
une bouteille, le petit plat en étain avec les gaufrettes et un verre. Entre parenthèses, c'est pas n'importe qui pouvait se payer des verres comme ça au XVIIe siècle. Hein. Mais malgré tout, il y a ce côté extrêmement sobre et à certains égards, de ce point de vue-là, une certaine forme d'élégance hein, dans la sobriété qui pourrait être vue comme un trait particulièrement français dans ce style pictural. Le même Bauguin, alors là, chef-d'œuvre à trois aussi. Hein. L'enfance de Jupiter, comme quoi c'est un artiste qui n'est pas un spécialiste, mais qui est capable de faire et des natures mortes et cette peinture d'histoire, hein, comme on dit. L'enfance de Jupiter, c'est vraiment ce tableau, c'est inspiré des Vénitiens. Ça, c'est Van Dyck, mais lui-même inspiré par les Vénitiens. Vous voyez ce côté virevoltant, le mouvement dans la peinture, mais qui est un peu assagi. Chez le peintre français, vous voyez pas ces espèces de drapés qui volent comme s'il y avait un ventilateur dans une mise en scène de cinéma, vous voyez, en quelque sorte, là. Voilà, donc d'autres choses, ça c'est à trois aussi, sur ces vanités, hein, la peinture de vanité, à certains égards extrêmement austère, mais très, très séduisante aussi. Et puis le très beau Simon Renard de Saint-André, du musée Garinet à Chalon, avec une partition de musique dont un des inspecteurs de l'éducation nationale me disait, parce que ça, c'est autour, enfin, c'est le milieu du XVIIe siècle, et ça, c'est une partition plus ancienne, de chansons probablement du XVe siècle, ou quelque chose comme ça. Voilà, ça, c'est flamand. Vanité aussi, on ne va pas s'arrêter. Le thème aussi des bulles. L'homme est une bulle, hein, c'est la fragilité humaine, du destin humain qui jeté au gré des vents et des hasards de l'existence. Ça, c'est un tableau de Sainte-Menou. Alors, ce n'est plus une vanité, mais c'est une nature morte scientifique. Hein, on voit l'orientation, cette fois-ci, au début du XVIIIe siècle. Et puis, voilà, on s'arrêtera peut-être là-dessus, parce que je ne veux pas vous épuiser et vous manger votre dimanche. C'est vraiment un tableau que je trouve absolument fascinant, quand bien même c'est probablement un fragment. Parce que vous voyez, la nature morte, là en bas, c'est coupé de manière très bizarre. Ces espèces de courges, là, sont même pas complètes. Là, vous avez une sorte de grappe avec des sortes d'abricots, mais c'est pas complet. À mon avis, c'est un fragment de tableau. Et ce tableau, personnage, nature morte de fleurs, de fruits et légumes, c'est vraiment une grande tradition. Alors, je vous montre des détails. Donc, ça, c'est le visage de cette jeune femme dans un décor palatial, hein, une grande colonne, des grands drapés, et puis elle-même, c'est une peinture, on va dire, aristocratique, hein, très élégante, le canon du corps très, très fin, etc. Donc le visage, les mains qui tiennent un bouquet, très probablement peint par un autre artiste que celui qui a peint le personnage. Voilà, un petit détail ici qui rappelle un peu avant, donc le fameux Monnoyer, ou plutôt presque comme Baudesson qu'on voyait avant, et puis c'est les fruits et légumes, bah oui, on va dire ça comme ça. Ici, ça rappelle un artiste qui s'appelle Adriaan Korte, un néerlandais, vous voyez. À quel point tout ça constitue des échanges qui sont très, très précoces et très, très vifs et très actifs. Hein. Et puis ça, c'est le bas du tableau. Vous voyez que le fait que tout ça soit coupé et n'est pas... Enfin, c'est probablement un fragment. Ça vient de ce genre de scène au XVIe siècle. Hein. Les marchandes, on va jouer à la marchande. Les marchandes de viande, de légumes, etc. Ça, c'est un tableau d'un Italien, Campi, qui est à Chaumont. Très, très, très belle œuvre du musée de Chaumont. Et ça se voit aussi dans ce côté, on va dire, très assagi chez cette artiste femme du XVIIe siècle, merveilleuse peintre, qui s'appelle Louise Moillon. Hein, Moillon. Donc ça, ce sont des gens qui ont fui la persécution des protestants dans le nord de l'Europe et qui sont venus en France avant la révocation de l'édit de Nantes, hein, bien entendu. Et à notre plus grand bonheur, ce ne sont pas les grands artistes qui sont à l'Académie, les Lebrun, etc. Ils sont dans la Jurande, hein, ce sont les peintres de Saint-Germain-des-Prés. Tous ces gens-là habitaient à Saint-Germain-des-Prés. Et donc notamment cette Louise Moillon avec une riche bourgeoise ou une aristocrate
qui achète des fruits à cette jeune femme qui n'ose même pas la regarder, qui a le regard baissé. Vous voyez, bon, peut-être je fais de la surinterprétation, mais ce côté extrêmement pudique et silencieux, il me paraît être une chose particulièrement, voilà, française. Et en fait, ouais, ça c'est autre chose. Ça c'était encore un tableau de Jabach, hein, la mort de la Vierge de Caravage. Rien que ça, qui était dans la collection du roi Charles Ier d'Angleterre et que Jabach a acheté. Et c'est grâce à lui qu'on l'a au Louvre. Hein. Voilà. Ce tableau donc de Reims, je ne parviens pas, et c'est ça qui est super, je ne sais pas si c'est français, si c'est du Nord, si c'est un peu italien. Pourquoi ? Parce que c'est tout à la fois. Vous voyez, il y a le mélange de... Alors peut-être, très probablement, même un tableau à plusieurs mains, ce qui est... quelque part une leçon pour nous dire que ben, ça ne sert pas à grand-chose d'être là à dire école française, école italienne, école gna gna flamande, etc. Et voilà, cette peinture, elle est d'emblée très internationale, que ce qui a nourri la peinture française au XVIIe siècle, c'est ce côté d'échange très, très fructueux et très riche, hein. Il y a évidemment une peinture en France au XVIIe siècle, mais elle a beaucoup de mal, elle a encore beaucoup de mal à affirmer, alors là encore, son identité, parce que le grand public, c'est très intéressant ce que pense le grand public. Quand vous parlez aux États-Unis, ailleurs en Europe, en Asie, etc., c'est quoi la peinture française ? C'est rien, sauf dans des strates... très très cultivé avant l'impressionnisme. C'est très révélateur. C'est très révélateur et c'est pas stupide et ignare de dire ça. C'est que c'est seulement à ce moment-là, après des siècles, hein, de maturation, que la France dit bah voilà, nous c'est ça et que personne ne le conteste, hein, finalement. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de montrer quand même des choses des musées de la région. Hein. Ces musées en rénovation, par grande chance, hein. Reims, le musée des Beaux-Arts, Troyes également. Alors, à Châlons, il y a un projet de musée autour de la question du cirque notamment, mais j'ai grand espoir quand même que, entre guillemets, on n'oublie pas la qualité et l'importance et l'intérêt. C'est pas faire de la forfanterie que de dire ça. J'espère l'avoir montré, la qualité de la collection de Beaux-Arts des musées de Châlons, notamment Garinet et le musée des Beaux-Arts. Et puis voilà, donc tout ça, ça nous encourage, et c'est ce qui d'ailleurs est fait dans un certain nombre de musées, encore une fois en projet, à prendre de la distance par rapport à cette présentation parfois un peu trop strictement nationale de l'art. Les peintres, ils s'en fichaient ils disaient eh, « moi je suis français, moi je suis de l'école machin », etc. En fait, ils avaient des gravures qui venaient de toute l'Europe et parfois même au-delà, et ils nourrissaient leur art de ça. Alors, c'est un peu facile, évidemment, tout est dans tout, et inversement, ok. Évidemment, il faut, dans les présentations de musées, rester très pédagogue et présenter ça avec une chronologie et en même temps une thématique. Mais voilà, le fait d'avoir des présentations parfois par genre artistique qui montrent l'intérêt des échanges peut être intéressant et salutaire. Merci beaucoup. Voilà, merci bien. Oui. Merci, M. Deschanu, pour cette présentation très dense. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou est-ce que vous préférez les garder pour la sortie ? Il y a un micro. Et peut-être qu'il y aura des questions aussi pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, apparemment une trentaine de personnes. Il ne faut pas dire de bêtises. Hein. Non. Des questions. Le tableau que vous avez présenté tout à l'heure, l'école de peinture de dessin de Charles. Ah oui, oui. Est-ce qu'on connaît le bâtiment ? Est-ce qu'on sait replacer le bâtiment ? Est-ce que c'est pas une petite pièce ? À ma grande honte, je ne sais pas. Et il y a sûrement des archives. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que tout ça, d'ailleurs, comme on dit, merci de cette question, c'était très important parce que, notamment, ça a donné... il y avait des professeurs qui étaient appointés. Et là, la dynastie, littéralement, de ces graveurs sur lesquels il y a eu des publications,
les Varins, V-A-R-I-N, qui sont des artistes chalonnais, vivaient grâce à cette école, parce qu'ils étaient professeurs et ils avaient une activité artistique à côté de leur activité d'enseignement. À certains égards, on pourrait dire que la condition d'artiste plasticien était peut-être plus facile au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. Parce qu'au moins, il y avait ces postes. Alors certes, aujourd'hui, il y a tous les professeurs d'art plastique dans les collèges, dans les lycées, etc. Donc ça, par contre, ça n'existait pas. Mais là, véritablement, on avait une institution dont je ne sais pas où elle se trouvait. Ça, c'est vraiment une question à creuser, effectivement, parce que c'est un grand bâtiment. La deuxième question, qui est peut-être plus large, mais c'est, vous avez indiqué que vous avez montré un tableau d'une artiste femme. Oui. Et est-ce qu'on sait à partir de quand les artistes féminines apparaissent? À partir de quand on sait que tel tableau sont peints par des femmes? Et est-ce que dans les styles que vous évoquez, ouais, il y a soit des traitements de sujets particuliers ou des traitements culturels, est-ce qu'il y a une particularité? Oui. Ben, ça serait intéressant à examiner de plus près. En tout cas, les artistes femmes, on sait très bien qu'il y en a très tôt. Moi, je pourrais citer des exemples du XVIe siècle, tant italien. Alors évidemment, il y a Artemisia Gentileschi qui est célébrissime parce qu'il y a eu une affaire de mœurs abominable au centre de laquelle la pauvre elle se trouvait. Mais il y avait Sophonisba Anguiscola, et puis dans le nord, Catherine de Hemesson, et là je parle du XVIe siècle, hein, et je suis sûr qu'il y en avait avant. Donc, voilà, il y a des artistes femmes. Alors, allez chercher, il y a une enluminure médiévale, on voit une femme qui est en train de peindre son portrait, elle a un petit miroir à la main, puis elle est comme ça, mais ça c'est un manuscrit du XIVe siècle. Hein, donc voilà, il y a toujours eu des artistes femmes. Je pense que, Dieu merci, les femmes, elles ne demandaient pas l'autorisation, mais c'est un vrai thème intéressant, effectivement. Alors, un style particulier, je ne sais pas si... Voilà, c'est un peu délicat, parce qu'il faut faire attention. Mais oui, c'est intéressant. Raquel Reusch, hein, des XVIIe siècle, admirable peintre de nature, peintresse, on va dire, allez, de nature morte aux Pays-Bas, hein. C'est Judith Leicester, ça c'est Pays-Bas 17e aussi. Donc il y en a plein, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Voilà. Est-ce que Nicolas Poussin était de cette époque? Mais oui, alors je voulais finir, mais comme il faut que j'apprenne à faire des conférences, vous voyez, Nicolas Poussin, je l'avais gardé pour la bonne bouche, on va dire, pour la fin. Bien sûr, et merci là aussi de cette question, car Nicolas Poussin, c'est vraiment le paradoxe de la position des peintres en France au XVIIe siècle, à l'égard notamment de leur statut social. Poussin est très célèbre. Il est parti en Italie. Au début, c'est le fameux voyage initiatique, hein, pour aller copier, regarder, etc. Et puis, il est resté. Et alors, à mesure que la gloire grandissait, dans le journal de Chanteloup, le Bernin, c'est-à-dire pas n'importe qui, voit Chanteloup et lui dit « Ah oui, vous savez, je connais Nicolas Poussin, quel grand peintre, etc. » Et Chanteloup l'emmène chez lui et il a dans sa collection l'autoportrait de Poussin, Chanteloup. Et le Bernin est là, magnifique, etc. Et d'ailleurs, pendant le séjour du Bernin à Paris, c'est l'année de la mort de Poussin, 1665. Et la nouvelle vient, et le Bernin est catastrophé, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, si vous voulez, le système, on va dire, économico-social dans lequel s'insèrent les artistes n'est absolument pas le même. L'Italie, c'est un pays de cour princière, et il y a un système quand même relativement plus libre. Et alors, on le voit très très bien, c'est le choc des mondes, c'est-à-dire que quand le Bernin vient, on lui dit, alors, vous avez vu, c'est un peu tendu, mais bon, le roi est tellement au-dessus, lui, que c'est pas un clown pour lui, le Bernin, mais disons qu'il laisse passer les choses. Bon. Mais Colbert, c'est pas pareil, parce que quand le Bernin dit, bon, alors on va faire là un agrandissement, il voulait casser Saint-Germain-l'Auxerrois
qui est dans la continuité du Louvre, vous savez, avec la colonnade, etc. Il voulait casser ça pour agrandir le palais dans des proportions gigantesques. Et il dit, bon, ben, on va faire venir des marbres de Carrare et tout. Et puis Colbert qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça coûte beaucoup trop cher, ce truc. Il y a à côté de Paris, il y a des carrières avec des pierres, c'est très bien. Et l'autre écoute et dit, mais et de quoi il se mêle celui-là? Qui sait? Qu'est-ce que c'est que ce type? Mais c'est littéralement ça. Parce que le Bernin, le pape, lui dit « Je suis content d'être pape pendant que vous, vous êtes vivant et pendant votre carrière. » Alors que pour Colbert, les artistes, ça répond au pied et à l'œil, hein, le petit doigt sur la couture du pantalon, mais ça ne va pas du tout comme ça. Et justement, à mesure que la gloire de Poussin grandit, le roi Louis XIII dit « Bon, c'est quand même en kikinant d'avoir le plus célèbre peintre français qui est à Rome, quoi. Hein, c'est un peu gênant. » Donc on le rappelle avec Petit Pont d'Or, etc. Et on lui dit, vous allez décorer avec des paysages la Grande Galerie du Louvre. La Grande Galerie du Louvre. Il n'y avait pas à l'époque la verrière, la zénitale, mais au sommet du mur, il fallait peindre des paysages. C'était un chantier considérable. Donc, il commence. Et le surintendant des bâtiments, en gros, on va dire le directeur général du patrimoine, là, voilà l'équivalent, voire ministre de la Culture presque, enfin... vient sans cesse lui dire « Ah, mais là, pourquoi et ça, là, c'est pas... » Et pareil, l'autre qui a l'habitude, Poussin, il fait ce qu'il veut, il peint pas sur commande. Il fait ses tableaux, les gens arrivent, « Ah, oh, le dernier Poussin magnifique, c'est moi qui le veux, non, 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 c'est moi. » Et là, pardon, mais une bande d'enquiquineurs qui viennent lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, il est reparti. Il est reparti sans finir ce truc. Parce que, voyez, c'est ça aussi dans les échanges internationaux. Quel est le statut social de l'artiste, hein? Quel est le contexte, finalement, économico-administrativo-politique de son activité? Ce n'est pas partout pareil. Et on va là où c'est le plus attrayant, quand on est une star. Hein? Eh oui. Je voulais en parler. Et voyez, Jean Tassel, il y a Brébiette, le seul tableau connu de Brébiette, qui est au musée de Chalon. Tassel, ici, la Vierge, qui est au musée de Langres. Oui. Ici, est née une dynastie Tassel, effectivement, merci. Hein. Est née fuit en Troie avec son père Anquise sur ses épaules. Mais comme quoi, je suis un débutant. Hein. J'ai la mort de Saint-Joseph, Tassel à Langres. Ça, c'est à Troie qui a une très belle collection de Tassel. Hein. À Langres. Des dynasties provinciales. Langres, qui est un foyer artistique très important, encore au XVIIe siècle. Hein. Et la Renaissance, n'en parlons pas. Oui, désolé de ne pas avoir... Merci hein, de m'avoir donné l'occasion, effectivement, d'en parler un petit peu. Oui, ça, c'est sûr. Et donc, pour prolonger tout ce plaisir, vous pouvez, grâce à la librairie du Mot, faire l'acquisition d'un ou des livres de M. Chanel. Enfin, il y en a, oui. Bon. Autrement, bah, ils sont aussi disponibles à la bibliothèque sur Rome. Le grand livre, je ne l'ai pas fait tout seul. Hein. C'est vraiment un travail collectif sur les musées de la région. Hein. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.